Bonjour tout le monde. Donc on va continuer toujours notre travail sur le chesed. Aujourd'hui, ça va être une forme de conclusion, d'ailleurs. Et Bezrat Hashem, on attaquera d'autres thématiques à partir de demain et de la semaine prochaine. Alors, on était arrivé hier sur l'idée suivante, c'est que évidemment, quelqu'un qui est donc dans le chesed, quelqu'un qui est dans le don, quelqu'un qui est dans le désir de donner à l'autre, évidemment, la conséquence, c'est que on ne pourra pas imaginer à un moment tomber dans le problème du lashon hara, de la médisance, vu que, comme on l'avait vu, la médisance, c'est un acte de destruction, celui qui est dans le don veut apporter aux autres, et surtout, surtout, quand quelqu'un est dans l'univers du don, et qui constate qu'une personne dysfonctionne, eh bien, évidemment, la première idée qu'il a, c'est comment puis-je l'aider? Comment puis-je l'aider? Comment puis-je l'amener à sortir de sa problématique et de sa difficulté? Et évidemment, l'idée d'en parler aux autres ne peut même pas l'effleurer, c'est pas possible, c'est pas dans le domaine du possible. Donc c'est pour cela qu'on avait vu que quelqu'un qui est dans le chesed, au bout d'un moment, ne peut plus être dans le lashon hara, parce que pour lui, il est tellement préoccupé par le bien-être de l'autre que d'abord, dire quelque chose qui va faire du mal à quelqu'un, ça ne peut même pas rentrer dans sa tête. Et surtout, surtout, si lui constate que quelqu'un dysfonctionne, sa première idée, ça sera comment puis-je l'aider, comment puis-je lui donner les moyens de ne pas se retrouver là-dedans. Alors, on avait vu la chose suivante et on va continuer là. On va juste arrêter et se rappeler que le groupe des personnes qui font du Lashon Hara font partie de ces quatre Kitot. Kitot, c'est oui, quatre groupes, on va dire, de gens qui ne reçoivent jamais le contact avec Dieu. D'accord? Hier, on les avait vus, c'était les moqueurs, c'était les menteurs, c'était les. Attendez, les moqueurs, les menteurs. Les flatteurs et ceux qui font donc du lashon hara, tout ça dans le rapport à la parole. Il faut savoir que beaucoup de personnes savent l'importance du lashon hara, savent l'importance de la médisance, et malheureusement, c'est pas pour autant qu'ils n'en font pas. Et ce, pour une raison très simple, c'est qu'ils n'ont pas assez travaillé sur la notion du chesed, du don et de l'amour de l'autre. Et il faut savoir que à Rotzel Yachad, il faut savoir que celui donc qui a envie de sortir de l'univers du lashon hara, de la médisance, mais il doit développer encore et encore cette notion donc du chesed, du don, comme on l'a vu précédemment. Et il dit, ça serait intéressant pardonnez-moi. Je suis désolé, je suis un peu fatigué là actuellement. Et donc, il y aurait lieu de faire donc ce travail au quotidien. Très bien. Bon, ça, c'était ce qu'on avait vu hier. Aujourd'hui, on va arriver sur le dernier point dans le Chesed, qui, au passage, est très, très lié à l'époque que l'on passe actuellement et qui va nous permettre peut-être de mieux comprendre certaines choses. Il dit, le dernier point dans l'univers du Chesed n'est pas simple, mais nous allons essayer quand même de faire pénétrer cette dimension chez nous à la maison. Chez nous, pardonne-moi, chez nous à la maison, chez nous. Hu inyan noseh be'ol im chavero, c'est ce que l'on appelle noseh be'ol im chavero, c'est-à-dire partager avec l'autre les difficultés qu'il vit. C'est-à-dire ne pas juste répondre présent à une demande, mais vraiment nocebol, nocé, supporter, porter rôle, le joug, imchavero, avec son ami. C'est-à-dire se sentir vraiment proche et partager avec l'autre ce qu'il est en train de vivre. Et on va voir d'ailleurs que ça peut être aussi bien dans le domaine de la difficulté, mais aussi on va ouvrir, si ça ne vous dérange pas, désolé, dans l'univers du don. Dans l'univers positif. Alors, on y va. Vous savez que
Le peuple d'Israël reçoit la Torah. D'accord? On reçoit la Torah au Sinaï. Au moment où on reçoit la Torah au Sinaï, si vous regardez à la fin de la parashat Mishpatim, il y a un verset qui est très, très, très curieux. Très curieux, qui est très complexe. Le verset nous dit que Moïse s'est retrouvé avec les 70 anciens au Sinaï. Et le verset dit, écoutez bien ce que le verset dit. Vayiru et Eloke Israël. C'est un verset de la Torah. Et ils ont vu le Dieu d'Israël. Déjà, c'est très curieux de dire ça. Ils ont vu Dieu. C'est quoi qu'ils ont vu Dieu? Et qu'est-ce qu'ils voient? Ve'tachat raglav kema asel. Et sous ses pieds, sous les pieds de Dieu, kema asel livnat asapir, il y avait comme une forme de brique en saphir, ou que etzem hashamayim la Torah, et qui était aussi lumineuse que le ciel dans toute sa pureté. C'est un verset qui est extrêmement surprenant, parce que d'abord on sait bien que c'est un anthropomorphisme, qu'on ne peut pas voir Dieu, mais plus que ça, c'est quoi cette image? C'est-à-dire qu'il voit Dieu, et Dieu a sous ses pieds une brique en saphir qui rayonne comme la profondeur du ciel. Très bien, allons voir Rashi sur place au nom du Talmud. Rashi nous dit, Yaita le fanav beshatashimu diskortzaratam shel Israël. Il dit, cette brique en saphir qui est sous les pieds de Dieu était présente face à Dieu pendant toute l'époque pendant laquelle le peuple d'Israël était asservi. Et lorsqu'ils ont été délivrés, elle devient terriblement lumineuse parce qu'elle est l'expression de la joie que Dieu ressent à ce moment-là. On va essayer, si vous le voulez bien, de réfléchir un petit peu à cet enseignement qui est quand même extrêmement surprenant. Mais on va essayer de comprendre un petit peu ce qu'il dit. Alors, tout d'abord, il faut se rappeler d'une chose, c'est que Dieu se révèle dans l'univers à travers ses attributs. D'accord? Dieu a de multiples attributs. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au moment du don de la Torah, le don de la Torah, c'est donc le moment le plus important dans l'histoire de l'humanité, puisque nos maîtres nous disent bien que si ce n'est la Torah, l'univers n'existe pas. Donc on est en train de faire quelque chose de fondamental. On est en train de révéler la Torah à l'humanité. À ce moment-là, Dieu se révèle. Il se révèle à travers un attribut. Quel est l'attribut que Dieu révèle de lui au moment où il donne la Torah? Eh bien, c'est ce que l'on appelle nocébérol, c'est-à-dire le fait qu'il se donne les moyens de ressentir ce que le peuple juif est en train de ressentir dans un sens comme dans un autre. Alors, on va essayer d'aller un tout petit peu plus loin. C'est quand même Dieu qui nous amène en Égypte. On est d'accord? C'est Dieu qui nous a fait descendre en Égypte. Mais malgré tout, ce n'est pas parce que Dieu a décidé de nous faire descendre en Égypte que pour autant il ne va pas, entre guillemets, ressentir ce que le peuple d'Israël est en train de vivre. Et quelque part, même si on utilise ici des termes qui sont quand même un petit peu curieux, eh bien, la Torah est en train de nous apprendre la chose suivante, c'est que la Mida par excellence, c'est-à-dire l'attribut par excellence que Dieu révèle, au moment le plus important de l'histoire, c'est quoi? C'est le fait de partager avec le peuple d'Israël à la fois sa difficulté et à la fois sa joie. Et de là, donc, nous apprenons quelque chose, c'est qu'il faut absolument être capable de développer cette notion-là de nocébéol. Nocébéol, c'est-à-dire essayer de se donner les moyens de ressentir ce que l'autre vit pour le partager avec lui. Et évidemment, cette idée-là,
Souvent, on va d'abord vouloir la voir dans la difficulté. On va vouloir la voir dans être à côté de l'autre lorsqu'il vit sa souffrance, ce qui est génial. Mais ça vaudrait peut-être la peine de commencer d'abord par partager avec l'autre aussi réellement sa joie. On va peut-être sortir de l'univers de la souffrance et de la difficulté et aller dans l'univers de la joie, c'est-à-dire prendre le temps et se donner les moyens de ressentir ce que l'autre est en train de vivre. Et à partir de ce moment-là, partager avec lui réellement ce qui se passe à un instant T de son existence. Je vais vous donner, vous savez, un exemple tout bête. Regardez, un enfant. Un enfant, à son niveau, il y a certaines choses qui sont très importantes. Pourquoi? Parce que par rapport à lui, certaines choses sont importantes à son niveau. Ça peut être un bonbon, ça peut être un jouet, ça peut être ce que vous voulez. Et donc, si son jouet se casse ou si telle et telle et telle chose, eh bien, pour lui, c'est bouleversant. Souvent, malheureusement, nous les adultes, ce qu'on fait, c'est qu'on dit à l'enfant, ça va, c'est bon, t'exagères, ça va. Non. Non. Justement, il faut être capable de se mettre dans la tête de l'enfant et de ressentir ce qu'il est en train de vivre, et à partir de cela, de partager réellement avec lui. C'est-à-dire de lui dire, je comprends ce que tu vis, je comprends ce que tu ressens. Et à partir de cela, créer une forme de réelle solidarité par rapport à l'autre. Créer véritablement une réelle solidarité par rapport à l'autre. La notion de nocebo-all, c'est tout, sauf, vous savez, ces phrases très techniques, alors soit dans des moments difficiles, ah là là, vraiment, on est avec vous, ah là là, on est avec vous, ou alors dans des moments de joie, ouah, c'est super, ouah, c'est super. Non. Nocebo-all, c'est véritablement se donner les moyens au plus profond de nous-mêmes et de ressentir véritablement les choses et se donner les moyens de les percevoir. Cette idée-là, hein, vous savez, on la retrouve par exemple à propos de Moïse. Lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, vous vous rappelez qu'après la sortie d'Égypte, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va y avoir un peuple qui nous attaque. Une fois que ça y est, la sortie d'Égypte a eu lieu, c'est bon, la mer, tout s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Va y avoir Amalek, va y avoir Israël Birfilim. Il y a Amalek, l'ennemi juré du peuple juif, qui attaque immédiatement. Et à ce moment-là, s'engage une bataille. Et quand vous regardez les versets sur place, vous allez constater la chose suivante, et c'est très intéressant, c'est que Moïse va prier pour le peuple d'Israël. Mais de manière très surprenante, le verset nous dit que Moïse est sorti. Et il est parti à l'extérieur, au-dessus du champ de bataille, pour prier. A priori, c'est curieux parce que quand vous voulez prier, vous préférez être totalement concentré. On aurait pu s'imaginer que Moïse aille dans sa chambre, dans sa, ce qu'on aurait appelé aujourd'hui une synagogue, que sais-je, dans un endroit totalement fermé, dans lequel il peut se concentrer, prier avec beaucoup d'intensité. Alors là, pas du tout. Le texte nous dit que Moïse passe, pardonnez-moi, et va sur le champ de bataille. Il est au-dessus, à côté du champ de bataille. Donc il est confronté à la clameur, il est confronté au bruit des armes. C'est pas simple. Deuxièmement, le texte nous dit qu'à un moment, Moïse qui lève les mains vers le ciel pour prier, il y a marqué qu'à un moment, pff, il est épuisé. Et alors à ce moment-là, eh bien, ceux qui l'accompagnent, ils leur dit de lui amener une pierre pour s'asseoir sur cette pierre. C'est quand même curieux, dites-moi. Moïse, ok, est fatigué, ça peut s'entendre. Tu ne peux pas lui amener une chaise. Tu ne peux pas lui amener autre chose qu'une pierre. C'était pas très confortable, une pierre. De là, nos maîtres nous disent la chose suivante, c'est que lorsque Moïse, en effet, a commencé à prier pour le peuple d'Israël, pour pouvoir véritablement ressentir ce qu'ils étaient en train de vivre. Et pour faire en telle sorte que sa prière soit la plus authentique et la plus vraie possible,
Moïse s'est confronté à la situation de la difficulté du peuple juif. Moshé s'est dit, si je ne vais pas sur le champ de bataille, il manquera quelque chose à ma prière. Si je suis sur le champ de bataille et que je vois ce qui se passe, là véritablement je ressentirai l'angoisse, la difficulté, la souffrance, et ma prière sera sans doute beaucoup plus authentique et beaucoup plus profonde. Deuxièmement, Moïse veut se donner les moyens de ressentir aussi l'inconfort des combattants. Comment est-ce qu'il se donne les moyens de ressentir l'inconfort des combattants? En s'asseyant sur une pierre. Il aurait pu s'asseoir sur un fauteuil, sur une chaise. Mais Moshé se donne les moyens de ressentir. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Et d'ailleurs, on va voir que Moshé Rabbeinu va fonctionner sans arrêt de cette manière. D'ailleurs, quand Moïse, qui était au palais du Pharaon, va à la rencontre de ses frères, le texte nous dit Vayigdal Moshe vayetse el Echav, vayarbe sivlotam. Vayigdal Moshe, Moïse a grandi, rappelons-nous qu'il a grandi quand même dans le palais du Pharaon. Hein. Vayetse el Echav, il est sorti vers ses frères, vayarbe sivlotam, il a vu leur souffrance. Rachid sur place nous dit Vayigdal vayetse, il a grandi, il est sorti. Rachid nous dit Natan einav velibo liyot meitsar alehem. Moshe a posé sur ses frères, et à la fois son regard et son cœur, pour pouvoir vivre la souffrance qu'ils étaient en train de vivre avec eux. C'est-à-dire que Moshe a grandi, qu'est-ce qui montre qu'il est grand? C'est qu'il est parti se confronter à la réalité de la difficulté de l'autre, pour pouvoir mieux la ressentir et pour pouvoir mieux la partager. Et ça, c'est quelque chose qui est terriblement difficile. Pourquoi? Parce que on est, même si la phrase peut vous paraître un peu pompeuse, parfois ce qu'on appelle des hypocondriaques de notre confort psychique. Aller se confronter à la réalité et la difficulté de l'autre, réellement, pour essayer de ressentir ce qu'il est en train de vivre et partager avec lui réellement, même si parfois on ne peut rien faire d'autre que juste partager, est quelque chose qui n'est pas simple. C'est pour ça que ça, c'est la dernière dimension dans le chesed. De manière ultime, c'est d'arriver à cela. Et Rav Volbadi, d'ailleurs, c'est quelque chose, il faut beaucoup de temps pour arriver véritablement à inscrire cette dimension-là à l'intérieur de nous-mêmes. D'ailleurs, c'est pour cela que je me suis proposé, comme on l'a vu ensemble tout à l'heure, de commencer peut-être par apprendre à ressentir avec l'autre ces moments de joie, ces moments de bonheur. Alors, comment est-ce qu'on peut faire? Alors, je vous ai déjà donné cet exemple avec l'enfant, mais on peut le faire aussi de manière positive avec l'enfant. Un enfant, il est là, il est tout content. Ouais, super, nanani, nanana. Son élan dit, ah, d'accord, super, super. Non. Essaye de ressentir par rapport à lui ce que ça veut dire et partage réellement sa joie. Vous savez, quand on apprend à partager réellement la joie des gens, alors quand on est à leur côté, au moment où ils vivent leur joie, on est réellement avec eux. On est réellement avec eux parce que on ressent profondément cette joie à l'intérieur de soi, parce que tout simplement, on a envie de ressentir avec l'autre ce qu'il vit de positif. Le Rav Volber rapporte un maître qui un jour était dans une... Il s'appelait, voilà, justement, il donne son nom, Rabbi Avraham Grodzinski. Il dit, un jour, il était en visite chez de la famille à Varsovie. Bon, c'était un grand maître, Rabbi Avraham Grodzinski. Et puis, à un moment, il regarde la montre, il se lève et il commence à chanter et à danser. Bon, alors, évidemment, c'est un peu curieux, quoi, parce que qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu te mets brusquement à chanter et à danser? Il est arrivé quoi? C'est-à-dire, il est là et on sent, waouh, là, 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 aïe, 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 aïe. Pourquoi? Ça dure 2-3 minutes. Et les gens de sa famille lui disent, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, à cette heure-ci, j'ai un de mes élèves qui se marie. Je ne peux pas être au mariage. Et je suis tellement heureux que je ressens le besoin de chanter, de danser, parce que je ressens profondément de la joie par rapport à la joie qu'il est en train de vivre. Vous savez,
C'est comme quand on vous apprend que quelqu'un a une bonne chose qui lui est arrivée. Alors il y a les jaloux qui disent, ouais, pourquoi lui et pas moi? Il y a les gens qui disent, ah super, vraiment super, super, mais bon, bof, bof. Et puis il y a ceux qui sont profondément contents. Quand tu apprends que la personne que tu connais, il lui arrivait quelque chose de bien, et évidemment, s'il dit, je viens d'avoir telle et telle chose, c'est super. Toi aussi, tu aimerais, pour toi. Ok, Akadosh Baruch Hu décidera à quel moment toi aussi tu auras des choses positives, on aura tous besoin d'attacher des choses positives dans notre vie. Mais sois content pour lui, ressens sa joie, partage-la avec lui. Et évidemment, c'est valable aussi dans cette dimension-là de ressentir ce que l'autre est en train de vivre, aussi malheureusement dans des moments difficiles, et partager réellement ce que l'autre est en train de vivre. D'ailleurs, vous savez, dans la vie, chaque fois qu'on vit soi-même une expérience de joie, ou alors de difficultés, pas nécessairement de drame, mais de difficultés, alors on doit emmagasiner à l'intérieur de soi le souvenir de ce que l'on a ressenti pour pouvoir, lorsqu'on est confronté à quelqu'un d'autre qui vit la même chose, être réellement à ses côtés pour pouvoir partager avec lui ou avec elle ce qu'il est en train de vivre. C'est quelque chose qui est la dimension ultime dans le chesed, dit Rav Holber. Il insiste beaucoup sur le fait que partager avec l'autre, ce ne sont pas juste ces mots que l'on prononce, mais c'est vraiment l'expression d'un ressenti. D'ailleurs, vous l'avez vu, je suis sûr souvent, dans des moments de joie ou des moments moins joyeux, ou dans des moments X, Y, Z, on ressent tout de suite les gens qui ont ce qu'on appellerait les paroles de circonstance, et ceux qui vraiment, vraiment ressentent. Je le vois même dans les moments de joie, quoi. C'est-à-dire des gens qui sont super contents. Ils sont super contents. On vous annonce que quelqu'un que vous connaissez, ses fiancés, qui ont. Ah, mais on est super contents. Pourquoi? Ça, c'est la dimension ultime du chesed. De ressentir et de partager avec l'autre ce que l'autre vit. Voilà, on a fini d'explorer un petit peu l'univers du chesed. Et ce que je voudrais. Bezrat Hashem, on va continuer maintenant sur un autre thème à partir de demain. Mais ce que je voudrais, c'est très rapidement, donc, nous rappeler de quelques fondamentaux que l'on a pris ensemble jusqu'à présent sur ce concept-là. Rappelons-nous que, donc, dans l'univers du don, eh bien, on nous avait dit Ki patoar tiftach et yatralo vavet aviteinu dei marsoro asher yachsarlo. On a travaillé d'abord beaucoup sur. Ouvrir, tu ouvriras ta main, la difficulté de donner, prendre la mesure que donner, c'est extraordinaire parce que c'est pas simple. Que nous devons inventer des stratégies pour donner aux autres ce dont ils ont besoin. Et c'est très très important. Nous devons donner à l'autre ce qu'il a besoin et nous ne sommes pas obligés de l'enrichir, c'est-à-dire ce n'est pas le sentiment de mal-être, de posséder qui doit être à l'origine du don, mais un principe de responsabilité. Et évidemment, nous devons faire un effort pour essayer d'identifier de manière fine et intelligente le besoin réel de l'autre et d'arrêter de définir le besoin de l'autre fonction de ce qui pour nous est notre propre besoin. C'est-à-dire que, ça on le voit souvent, vous savez, les gens ils disent « Non mais je lui ai offert ça. » Tu as offert à l'autre quelque chose que toi tu aurais aimé que l'on t'offre ou alors quelque chose qui pour toi est important. Essaye de réfléchir à ce qui est important pour l'autre. Rentre dans le modèle de l'autre, essaye de comprendre ce qui pour l'autre est important. Vous savez ô combien c'est fondamental, surtout dans l'univers de la relation de couple. Ça, c'est ce qu'on avait vu. On a vu après cette nécessité d'apprendre à donner à l'autre la première des choses, c'est-à-dire un sourire, le voir, le regarder, sever pas de miafot, un visage ouvert et agréable. Après, nous avions vu que nous devions travailler sur la notion donc de développer l'amour du don. On a travaillé sur Hachnasat Orchim, la nécessité de savoir comment est-ce qu'on accueille ses invités, surtout les invités du quotidien. On a par la suite
travailler, et ça c'était un élément très important sur apprendre à faire des petits actes de don au quotidien, sans rentrer dans des grandes choses, mais des petits actes de don au quotidien qui vont nous transformer et qui vont faire en telle sorte que, eh bien, au bout d'un moment, on rentre véritablement dans l'univers des donneurs, parce que tout simplement, le quotidien est rempli de ces petits actes de don. À partir de là, on a vu comment nous devions faire attention de faire preuve de tact dans l'univers du don. Sur la base de cela, on avait vu que plus nous allons développer après l'amour du don, être heureux de pouvoir donner, être content de pouvoir donner. Et comment est-ce qu'on sait qu'on est content de pouvoir donner? C'est quand on réalise que on regrette de ne pas avoir pu donner. D'accord? C'est-à-dire, j'ai donné un exemple tout bête, hein, vous êtes en voiture et puis vous êtes sur la file du centre et vous n'avez pas remarqué les personnes qui cherchaient du stop alors qu'il pleut. Si ça m'embête de ne pas avoir réussi à les prendre, c'est quelque chose qui montre bien qu'au fond, j'ai envie de donner. À partir de ça, on a vu que quelqu'un qui développe réellement cette dimension d'amour du don, eh bien, en viendra à développer avec force l'idée de voir l'autre positivement et de n'être que dans une interprétation positive de ce qu'il voit chez les autres et de ne pas être dans des jugements négatifs. Pourquoi? Parce que quand on aime quelqu'un, quand on aime les gens, qu'on a envie de leur donner, eh bien, on fait tout pour avoir une belle image d'eux. Et quand on est face à des situations, eh bien, on les interprète de manière positive. Sur la base de ça, nous avions vu que si on approfondit les choses, eh bien évidemment, on se retrouvera à ne pas pouvoir dire de médisance, parce que quand on aime les gens et qu'on a envie de leur apporter, comment peut-on imaginer leur faire du mal en exprimant la médisance ou en écoutant? Et qu'au contraire, quand vous aimez profondément quelqu'un, vous n'avez qu'une envie, c'est de l'aider, même si vous voyez que chez lui il y a une difficulté, pour justement l'aider à s'en sortir. Et le dernier point que nous venons de voir aujourd'hui, c'est cette notion donc de nocebo imravero, de faire en telle sorte que nous puissions véritablement, littéralement, porter le joug avec l'autre, c'est-à-dire faire en telle sorte que ces personnes que l'on croise et qui vivent des choses, soit des choses sympathiques, soit parfois des choses moins sympathiques, se donner les moyens d'essayer de ressentir ce qu'ils vivent, pour partager réellement ce qu'ils sont en train de vivre, et que quelque part, eh bien, nous puissions les aider à travers cela. C'est un résumé extrêmement rapide et succinct que je viens de faire, d'accord? Donc, on a terminé, si je peux le dire, enfin, on n'a jamais terminé, mais sur l'univers donc du Chesed. Et ce que je voudrais commencer à étudier avec vous, Bezrat Hashem, à partir de demain, on va travailler sur une autre notion aussi qui est très importante, c'est la notion de Hakarat Hatov, sur la notion de la reconnaissance. Car en effet, pour la Torah, la reconnaissance est quelque chose qui est capital. Je vous remercie d'avoir été présent là pour toute cette première série sur le Chesed. Bezrat Hashem, ce soir, à 20h, cours sur les Pirkei Avot. Je nous souhaite à toutes et à tous une très bonne santé, que tous les malades aient une guérison extrêmement rapide, et que, merci Hachem, que nous n'ayons que des très très bonnes nouvelles les uns des autres. Passez une excellente après-midi, et Bezrat Hachem à ce soir, ou sinon, avec l'aide d'Hachem, à demain pour la suite. Demain donc, nous attaquerons tout ce qui a trait à la notion de Hakarat Hatov, c'est-à-dire la notion de reconnaissance.